Bonjour à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul AliExpress spécial mariage. Alors, il faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais que j'ai supprimé la vidéo. Donc, tout ce que je vais vous présenter, ce sont des images parce que j'ai déjà rangé ou j'ai déjà donné, parce que mon mariage est déjà passé. J'ai réussi à retrouver les produits. Sachez d'abord que je ne peux pas vous mettre les liens en barre d'infos, puisqu'apparemment, c'est interdit sur YouTube. Donc, je vous glisse directement mon article de blog. Et dans cet article de blog, il y a tous les liens qui correspondent aux produits présentés AliExpress. Ensuite, je vais vous parler vite fait de comment acheter bien et efficace sur AliExpress. En premier, il faut toujours faire attention à ce que vous achetez. Donc, validez toujours les 4 ou 5 étoiles. Ensuite, lisez toujours les commentaires. S'il y a des photos, c'est encore mieux. En 4, privilégiez absolument les frais de port offerts. Parfois, il y a des produits où vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez, enfin, 99% des cas, les livraisons sont gratuites. Surtout, prenez ça. Ne payez pas des frais de port, ça ne sert à rien. Et en 5, n'hésitez pas à demander les délais de livraison. C'est très important, surtout si vous y prenez très en retard. Comptez maximum grand maxi 2 mois avant de recevoir votre produit. Donc, soyez très large quand vous commandez et n'hésitez pas également à communiquer avec le vendeur si vous avez besoin de renseignements. Voilà, on va passer à mon petit haul particulier, AliExpress, spécial mariage. Il y a de la déco, il y a des vêtements, il y a des accessoires, il y a un peu de maquillage. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour mon mariage. C'est parti. Je vais vous faire le haul un peu en vrac, hein, comme mes images sont insérées dans mon PC. Le premier produit que je vais vous présenter, c'était mes marque-place sur la table pour indiquer à chaque personne où elle se trouvait. Donc, ce sont des prénoms imitation bois. Je pense que oui, c'était du bois. Voilà, ça, c'était avec frais de port payant puisque je n'ai pas trouvé frais de port gratuit. Mais franchement, c'était très joli et vous pouvez demander au vendeur de faire un prix de groupe parce qu'il le fera. Par exemple, vous pouvez en avoir un acheté, un gratuit. Donc, si vous en commandez 50, vous en avez 25 gratuits, 25 payants. Donc vraiment, ça vaut le coup et c'était très bien fait, très joli. Attention, ça peut être fragile, faites attention quand même. Mais c'est vraiment un très beau résultat, mes invités ont adoré repartir avec. Ensuite, j'ai acheté des espèces de forme de tiges fleurs pour pouvoir faire des tulipes avec du papier, avec vos serviettes, papier ou tissu. Ça aussi, ça faisait très joli, les gens étaient très contents, quelques-uns sont repartis avec. Et pour aller avec ces fleurs tulipes, j'ai également acheté des serviettes en tissu de couleur violet. Donc, c'était le thème de mon mariage, c'était violet. Bon courage si vous choisissez ce thème parce que c'est pas vraiment évident de trouver ce que vous voulez. Bref, voilà. Donc, avec ça, j'ai fait des tulipes avec les tiges et les serviettes. Donc, en tissu, c'est pas évident, mais c'est plus facile avec des serviettes en papier. Mais moi, je trouvais que pour un mariage, c'était plus sympathique d'avoir du tissu que du papier. Ensuite, je vais vous présenter ma seconde robe de mariage, donc c'était ma robe de soirée, parce que j'avais pas envie de rester en blanc et moi et le blanc on n'est pas très copains. Ensuite, ce sont les faire-part que j'ai utilisés, donc vous avez les rabats façon dentelle, l'arrière était blanc, je crois également. Il y avait le papier craft pour pouvoir écrire dessus, ainsi que l'enveloppe et une étiquette invitation. Voilà, c'était très joli. Mes amis, mes invités ont apprécié également le recevoir chez eux, donc je vous les conseille, c'était de très bonne qualité et peu cher. Ensuite, c'est une décoration pour les gâteaux avec nos prénoms. Vous pouvez le personnaliser hein, comme les prénoms en fait pour les tables. Là, c'était pour le gâteau et c'était vraiment très joli, très délicat. Pareil, ça fait un effet très sympa. C'était en bois, vous pouvez choisir plusieurs matières, mais le bois vraiment, ça fait, c'est ce qui est de mieux pour en décoration. Ensuite, c'est un vernis Bon Pretty que j'ai pas acheté très cher également à paillettes violet. Donc, je voulais me faire un nail sur longue, c'est ce que j'ai fait. Je trouvais ça très sympathique, c'est des vernis de très bonne qualité. Après, ça reste du Made in China, mais si vous ne l'appliquez pas tous les jours, vous risquez rien. Un bijou de tête, donc je me suis acheté un serre-tête façon diadème, blanc, il n'y avait pas de couleur violet. Puis c'est très joli, ça aussi, ça ne m'a pas coûté très cher et j'ai beaucoup aimé le porter. Un petit accessoire de plus pour les cheveux, c'est toujours sympathique. Donc ça, ce sont les boîtes que j'avais achetées pour mes invités au repas. Mes invités au repas avaient d'autres dragées que mes invités vin de l'heure. Ils étaient violets, là, il n'y en a plus violets, mais je pense que c'est des arrivages au fur et à mesure. Ensuite, je vous présente des housses de coussin avec des initiales, donc mon prénom c'est C, et celui de mon mari c'est C également, donc j'ai pris 2 C tout simplement.
Et pour compléter la décoration des canapés qu'on avait présents dans la salle, j'ai rajouté ces deux coussins qui étaient très sympas. Alors il faut savoir que j'ai eu un petit problème sur ma livraison, j'ai reçu qu'un coussin. Donc j'ai contacté le vendeur qui m'a renvoyé un deuxième coussin, enfin housse de coussin, ce ne sont pas des coussins, ce sont des housses de coussin. Si vous voulez trouver des coussins vierges, allez chez Action, il y en a de plusieurs tailles, attention aux tailles surtout, et pour moins de 3 euros. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Sinon, oui, contactez les vendeurs quand vous avez des problèmes, moi ils me l'a renvoyé gratuitement, donc c'était très bien. Ensuite, je vous présente les deuxièmes boîtes que j'ai utilisées pour mes dragées. Donc celle-ci était pour les invités seulement 20 d'honneur. Voilà, elles étaient dorées ou façon dentelle, très sympathique. Et on peut mettre 40 grammes à l'intérieur, voire plus. Pour décorer ma table, j'ai pris ce set de table. Il faut savoir que j'ai très peu trouvé de décoration violette. Donc ce que j'ai fait en parallèle, j'ai acheté une bombe violette, de peinture violette, et je les ai bombées. Voilà, tout simplement. Sachez que ça se bombe très bien, que le résultat est très joli. Pour décorer ma salle et donner un côté festif, j'ai acheté ce lot de ballons. Franchement, ils se gonflent très bien, ils n'ont pas explosé comme ça pour rien. Et je vous les conseille, c'est des très bons produits et les ballons pailletés sont très très jolis, très sympathiques. Si vous avez un Insta Mini, je vous conseille également d'acheter vos pellicules sur AliExpress. C'est beaucoup moins cher et la qualité est la même. Pour clôturer mes faire-part, j'avais acheté ce ruban. Je m'en suis également servi pour faire quelques décorations, notamment mes tubes à savon. Vraiment, c'est un très beau produit également. Il y a plusieurs couleurs façon dentelle, très très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et pour compléter mes faire-part ou mes espèces de bâtonnets à bulles, j'ai mis ces étiquettes. Alors, c'est pas des étiquettes autocollantes, juste des étiquettes à mettre avec un fil, et voilà, tout simplement. Mais c'était très joli, de très bonne qualité. Ma robe comportait un lassage au dos. Au début, mon lassage était blanc. Et puis, quand j'ai vu que mon amie s'était mariée avec un lassage rose, j'ai voulu faire la même chose. Donc, j'ai cherché longtemps un lassage violet. Malheureusement, les frais de port sont payants. J'ai pas eu le choix, j'ai pas eu d'autres produits, mais le lassage est vraiment très beau, il a très bien fait son job et tout le monde l'a trouvé magnifique. Donc je vous le conseille, il y a plusieurs couleurs également. J'ai acheté ce morceau de tissu pour décorer une table. Bon bah les finitions n'étaient pas top, hein. C'était juste, enfin il n'y avait pas de couture en fait, c'était juste un morceau de tissu coupé. Pour ce que j'en ai fait, ça suffisait amplement, vous voyez pas la différence, mais vous pouvez le recoudre en fait, vous pouvez vous en servir comme tissu, bref, ce que vous voulez en faire. Ensuite, j'ai également acheté ma boîte d'alliance personnalisée sur AliExpress. La voici. Franchement, elle est vraiment très très jolie. Je vous conseille d'acheter là-bas pour moins de 5 euros. Elle est personnalisée, elle est en bois. J'ai pas perdu mes alliances, rien du tout. Elle était très très jolie. C'est vraiment le bon plan à faire sur AliExpress et j'ai acheté ça. J'ai également acheté mon livre d'or sur AliExpress qui était vraiment très très joli. Également en bois. Bon, c'était une taille à peu près comme ça. Mais ça suffisait parce que comme on n'était qu'une vingtaine, on n'était que 20 au mariage, ça suffisait amplement. J'ai mis des photos de nous d'avant. Après, je leur ai laissé à disposition un Insta Mini. Ils ont mis leurs photos. Et à la fin de mon album, j'ai mis nos photos de nous, de notre mariage tout simplement. Franchement, pour moins de 20 euros, c'est très joli, c'est personnalisé. Il y a assez de pages où vous pouvez en rajouter. Moi, je vous conseille également d'acheter votre livre d'or sur ce site qui est personnalisé et pas très cher. En parlant de photos personnalisées, pour le photobooth, j'ai acheté ce lot. Voilà. Si vous pouvez le faire vous-même, faites-le. Si vous ne voulez pas, achetez ça. C'est aussi bien, c'est efficace. Et franchement, les invités ont bien rigolé avec. J'ai recyclé des anciennes bouteilles de verre, des bouteilles de vin, des bouteilles de champagne, bref, ce que vous voulez. J'ai enlevé l'étiquette et j'ai acheté des bouchons lumineux. Enfin, des bouchons avec un câble de LED lumineux que j'ai inséré. C'était vraiment très joli. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris violet parce que c'était mon thème violet. J'ai aussi pris argenté pour un peu changer les couleurs. Mais c'est vraiment très efficace. Et moi, j'ai beaucoup d'invités qui m'ont demandé comment j'ai fait. Ben voilà, c'est ça. Avec, j'ai également acheté des piles plates. Les bouchons ne sont pas vendus avec les piles, ce qui est dommage. Mais c'est pas grave. Pour moins d'un euro, j'avais des piles. Et, sachant qu'il en faut 3, j'avais acheté 2 paquets. Voilà, ça, c'est un bon plan aussi pour vous. On revient sur le gâteau, j'ai acheté ma figurine de gâteau que j'ai modifiée moi-même ensuite. Donc je l'ai payée moins de 8 euros. Très jolie, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement, n'allez pas payer 50 euros pour ça, ça sert à rien, sachez qu'il y en a sur AliExpress. Et enfin, j'ai acheté ma robe sur AliExpress. Oui, ne me criez pas au scandale, c'est comme ça. Quand elle coûte 32 euros contre 1000 euros, je suis désolée, j'ai fait mon choix. 1000 euros, j'ai préféré les passer ailleurs, par exemple à payer ma salle tout simplement ou mon restaurateur. Voilà, ma robe est là, je vous en parle prochainement, c'est promis, mais ça c'est un gros coup de cœur.
Problème avec ma robe, j'ai acheté également cette veste. Alors ça, c'était pas à porter pour la cérémonie, c'était une fois que j'étais dans la salle, si j'avais froid, je me suis mariée le 29 février 2020, donc en pleine période hivernale. Vous dites bien qu'il fallait bien que je me couvre. Donc ça, c'était vraiment la veste que j'avais dans la salle aux couleurs du mariage. Et pour terminer, j'ai complété ma robe avec un jupon. Franchement, n'achetez pas non plus dans les boutiques de mariée, ça sert à rien. Lui, il m'a coûté moins de 5 euros. Il a fait très bien son job, j'en suis très contente. Il est de très bonne qualité, il est taille unique, vous pouvez le resserrer comme vous voulez. Franchement, ça, n'allez pas acheter un truc qui coûte 100 euros, c'est la même chose. J'ai fini avec mon haul AliExpress un peu particulier. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer les produits physiquement, mais comme je vous ai dit, tout est rangé, la vidéo a disparu. Quand je voulais la mettre en ligne, elle n'était plus là. Donc ça, c'est un système D. Je suis vraiment désolée de cette forme-là, mais au moins, je vous les présente quand même sous cette forme-ci. Bref, j'espère que ça vous a donné quelques pistes, quelques indices de ce qu'on pourrait acheter sur AliExpress pour votre mariage. Surtout, n'ayez pas honte d'acheter de la décoration chez AliExpress, tout comme chez Jiffy, chez Action, chez La Foire Fouille. Ne vous ruinez pas, c'est une journée qui va durer, allez, grand max 24 heures. Tout ce que vous faites, c'est de la poudre aux yeux pour vos invités, pour leur faire plaisir. Et le reste, bah après, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces affaires? Rien. Moi, j'en ai distribué à droite, à gauche. Chacun est parti avec un élément de décoration. On n'était que 20, 10 au mariage. Mais déjà, le peu de choses que j'avais, j'avais pas la place de le ranger chez moi. Bref, ne dépensez pas des milliards pour votre décoration. Si vous pouvez faire un maximum de vous-même, faites-le. Si vous pouvez acheter un maximum chez AliExpress, faites-le. Il faut juste prévoir du temps. Prévoyez au moins 2-3 mois d'avance, on ne sait jamais. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.